No, Harvey, we live in an exquisite bedlam, an insanity. Maybe all the more grotesque by the fact that we don't recognize. Moi, je te surnomme Virgin Rainbow, lueur arc-en-ciel qui a partagé sa lumière là où on se crevait pour de l'eau, femme de lait, funny face. Dans ce monde aveuglé par les richesses, tu as pris en compte l'humanitaire fondé de respectables idéaux. Ce n'est pas un sonnet pour Hélène, Hepburn reste un état d'âme gouvernant ce siècle de chaos. Textuellement, tu es maniable, je suis maniaque, je pourrais hisser ton drapeau au-dessus de ces scélérats. Je ne parle même pas de sérénade, le tirer jusqu'au bourrasque de l'aube. Être un sacré malade mental, te transcrire en quelques thèses falsifiables ou te balancer en prose. Pour la dernière option, je me régale, même si la vie n'a pas voulu qu'on se parle avant ton apothéose. Alors j'explique à ces minables qui, à travers des comptes Instagram, se bâtissent des clones. Qu'un feu d'artifice écarlate remplissant le ciel rugit moins que ton intarissable icône. Que ton époque, tu as fréquenté les zones luxueuses épuisant les stocks. Lorsque la beauté était plus qu'un symbole, un viol cérébral. À l'instar de Joan Fontaine en robe ou de Haviland Olivia. À l'inverse des femmes dont la pudeur est d'étale. Nos Dior, nos Dietrich, finalement c'est normal. Ces filles du lys sucrées sous des armures de lilas. Aujourd'hui il n'y a plus d'Hitchcock. Pour les Rebecca, elles sont mortes sous les codes de ces renégats. Maintenant quelle est la mode? Mettre en valeur ses formes pour se présenter au soir. Je suis un puriste de l'élégance de l'âge d'or du cinéma. Tu es égérie de Givenchy et muse de Meliodas. Assez d'audace pour dire de manière explicite que les mentalités se dégradent. Kim Kardashian, ce genre d'erreur technique qui est reconnue comme femme respectable, adulée par des créatures punissables. Une fois les diamants sur canapé, ton nom sera gravé sur mon Saint Graal. Une leçon de morale aux effarés, nappée de fond de teint blanchâtre. Ce ne sera jamais assez, tu es une dame de cœur bien plus imposante qu'un as. Regarde-moi depuis les nuages, c'est dégueulasse. Y'a même plus de censure. Le bon côté de nos années regorge de pourriture. Vous diffusez l'enclume qui accélère notre perdition. Je profane cette religion où le culte de la génération a instauré des habitudes. Le contraste en dit long. Franchement c'est dommage que ça n'existe plus. Toutes ces figures classes, mélange d'Ingrid Bergman et de désinvolture. C'est vrai que l'humain constamment évolue, mais il s'abrutit tout au plus. D'ailleurs, qui sont ces harpies, semant les graines qui drainent l'extase de perles rares comme des horcruxes. Lorsque Link jouait de la flûte, elle attendait patiemment la princesse Zelda. Alors lorsque je plane sur Mercure, m'amuse à tenir assez haut pour me couvrir d'étoiles. J'incarne cet héros borné parallèle au royaume d'Hyrule, Lord Meliodas.